Loki et le docteur Fatalis se dirigent vers l'océan. Ils sont sûrement sur la piste de briques cosmiques. Il faut aller là-bas et les retrouver. Loki, mon frère, que lui est-il passé par la tête pour qu'il s'associe à ce Fatalis de malheur? Je vais lui faire entendre raison. Du calme, le bourrin. Il faut d'abord qu'on le retrouve. Salut tout le monde, c'est Asselo qui vous parle, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de Lego Marvel Super Heroes. Allez hop, c'est parti! Donc, on part à la poursuite de Loki et Fatalis, comme vous avez pu l'entendre, avec Iron Man et Thor. Descente en chute libre depuis l'héliporteur. Voilà. 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 On n'oublie pas l'argent. Merde. Ah. Parfait. Donc. Il y est presque. Parfait. Les sous-marins de recherche du SHIELD sont utilisés pour combattre nos ennemis sous l'eau. Ils sont dotés d'un équipement de détection dernier cri, idéal pour localiser l'adversaire ou des objets. Ça se passe où, mon petit rencard avec Thor? Dans un sous-marin de recherche du SHIELD. Un sous-marin de recherche armé jusqu'aux dents. Je m'attendais à autre chose. Non, ça, ce n'est pas notre sous-marin. Wow! Hein? Comment t'es arrivé là? Avec un fil de soie? Non! Tu n'es pas le seul à pouvoir voler, tu sais. Avec les compliments de Monsieur Nick Fury et du SHIELD. La prochaine fois, je te prêterai une armure en métal propulsé, si tu veux. Non merci, trop lourd. La statue part en balade? Oh, quel trop fou. Donc, Spider-Man se joint à nous. Voilà, évidemment, la première chose qu'on fait en arrivant, c'est foutre le boxon. Voilà. Yeah. Faites une couche. Alors, ce serait bien d'éteindre le feu en interrupteur. Il faudrait une arme ou un objet pointu pour actionner cet interrupteur. D'accord, il y a 3 hologrammes de Fatalis à trouver et à détruire. Alors, comment je vais faire mon compte? Ah, il y a quelque chose à construire. Génial. Allez Tony, montre-nous à quel point tu es génial justement. Alors, c'est que ça m'a l'air compliqué tout ça. Ah, j'avais pas vu le petit curseur. Voilà. Easy. Voilà. Essaie d'utiliser ton laser pour découper une forme. Oui, c'est bon, Coulson. Désolé, Spidey. Il avait qu'à pas être sur la route du rayon. Hein. Là. Mon sens d'araignée me chatouille. Là, son sens d'araignée le chatouillait.
Il aurait pu monter comme ça, mais bon. Ah non, pas plus haut. Bah si. Encore mon sens d'araignée. Qu'est-ce que c'est? Ah, là, ça a de l'intérêt. D'accord. Désolé, Stan. Je n'ai pas le pouvoir magnétique. Alors. Là. Parfait, parfait. Oula, sors de là. Donc, mon sens d'araignée me chatouille. Voilà. Allez, tire, mon gros. Bien joué, Spidey. De rien, Tony. Enfin, merci, Tony, plutôt. Bien joué, de rien. Allez, on casse tout. Désolé. Après, c'est une mission pour Thor. Là. Je prends ça. C'est chargé. Super. Comment la foudre peut l'atteindre dans un sous-marin quand même? Je n'ai pas le bouclier de Captain America, c'est bien dommage. Bah oh. Non mais, on respecte Mjolnir ou ça se passe comment? Bon. Vous faites du boucan alors que j'essaie de me concentrer? Attaquez-les! Oh, du calme, Fatalis. Oula, Thor, montre-nous ce qu'est un dieu. Et hop là. Voilà. Oh. Donc il y a un mini kit là-bas. Là, j'ai eu un Fatalis de plus. D'accord. Non mais j'essaye de voir s'il n'y a pas des choses à casser quoi. Nani. Bon bah y'a rien. Des explosifs seraient mieux. Parfait. Pas trop de pêche. Faut pas qu'il nous prenne. Ah 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 ah. Couché, Peter. Couché. Oula, oula, oula. Oula. Oh, c'est quoi? Mon sens d'araignée me chatouille. Oh, son sens d'araignée. Pendant ce temps-là, Thor qui fait l'hélicobite. Iron Man. Donc. Attends, attends. Bonjour, je voudrais le mini kit. Au secours. Aucune espèce d'idée de comment ça marche. Là, c'est là.
Bon ben, tant pis. Voilà. On prend l'argent, le délicieux argent. Thor et son incohérence, parce que bon, la foudre ne passerait pas à travers le sous-marin sans tout détruire quand même. Faut pas déconner. Ah ah, c'était une surcharge. Venez, Iron Man et Arachman. La voie est... Arachman. Waouh, Thor, t'as fumé. Voilà. Évidemment. Renforcement doré. On me la fait pas, moi. Hein. Voilà. MODOK. Je suis MODOK. Oui, j'avais compris. Et de conquérir. Ok. Rien ne peut pénétrer mon champ de force psionique. T'inquiète, je vais te prouver le contraire. Voilà, prends l'argent. Fais des prises de catch. Oula. Calmez lui. Là. Voilà, touché mon gros. Oula. Non. Ma puissance se traîne. Il est assez passé quoi là? À l'attaque. Bah non. Voilà. Allô, MODOK. Wouhou. Je tire n'importe où. C'est pas encore fini. C'est ce qu'on va voir. Allez. Ce gameplay intéressant. Ah ah. D'accord. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Oh non. Oula. Pas encore. Spidey. Oh. Voilà. Allez, lâchez-moi un cœur, s'il vous plaît. Deux cœurs, même. MODOK. J'y crois pas. Hop là. Déception. Bah oui, Fatalis. C'est au shield qu'il faut que tu prennes tes hommes de main. Thor. Parfait. Puissance maximale. Voilà, il était en train de chier. Ça n'a pas suffi. Et hop là. No. Il vole notre sous-marin.
Je ne peux pas faire tomber la foudre ici. Nous sommes piégés. Ça va aller, Thor. Je peux séparer les molécules d'eau par télékinésie. Deuxième partie du niveau, Jean nous a rejoint. Joli. Je m'y attendais pas. Jean, combien de temps vas-tu pouvoir maintenir cette vue? Je peux encore vous protéger, mais ma force est focalisée sur ce champ de force. Protégez-moi. D'accord. Par le pouvoir de l'incohérence du scénario! Et voilà, j'ai fait tomber la foudre sous l'eau. Je suis Thor. Alors... Il n'y aurait pas des choses à casser. Attends, c'est un jeu Lego, il y a forcément des choses à casser maintenant que j'y pense. Ça par exemple. Je m'en doutais. Non, mais... Là. M'en tenez pas rigueur. Hein. Non mais... D'accord, on a tiré la chasse, et ça fait quoi? Ah bah oui, ça donne des briques pour construire, je suis bête moi aussi. Spidey! Bonjour madame l'étoile encore de mer. Encore sens d'araignée, qu'est-ce que c'est? Bah c'est une étoile de mer qui fait coucou. Et tu vas lui arracher les jambes. Regarde, tu l'as fait pleurer, espèce de monstre. Attention, Fatalis est sûrement dans les parages. C'est les Fatal Bots qui t'ont fait penser à ça? Ah là là. Iron Man. Un peu bête des fois hein. Mais on l'aime. Voilà, j'ai attaché Thor, je suis fier de ma connerie. Hey, on a tout l'argent qu'il nous fallait. Jean, t'es lente. Allez. 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 Jarvis. Des nouvelles de ce sous-marin de recherche? Fatalis était dedans quand le pétrolier a sauté. Il semble qu'il ait été pris au piège dans l'explosion du pétrolier. Je détecte un autre navire à proximité de vos coordonnées. Ah! Merci, Jarvis! Sérieusement? Toc toc? Ben génial ça Thor. Ah bah bravo. Non le mini kit. Si près et pourtant si loin. Là, subissez la colère du dieu de la poudre. Non mais blague à part. Voilà. C'est bon Thor, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Range la mitraillette, on se calme. C'est fini le Vietnam. Non mais... Est-ce que je peux prendre le contrôle de Jean? Non hein. C'est vrai que ça tiendrait qu'à moi, les autres seraient en train de se noyer. Vous, humains, décorez le fond des mers avec des statues. Je sais pas, mais je trouve ça de très bon goût. Merci Spidey. Non mais c'est pas possible. Allez, allez, Jean. Non mais c'est quoi le délire? Faut tout casser. Voilà. Oula. C'est quoi? C'est un kraken avec des dents en or? Ah Osiris, c'est Parapis, regarde-moi, regarde-moi bien. Tu vas maintenant me donner la colonne. Allez. Jackpot. Encore
sens d'araignée. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Peut-être que je devrais tirer sur cette colonne ! Tu es un génie, Spidey ! Et surtout, ta toile arrive à sortir de la bulle pour aller se coller contre la colonne. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est ultra résistant. Hein. Ouah, il danse. Na 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 na. Voilà. Non mais... Si on ouvrait la trappe, tout simplement. Ah, ça va pas la tête de frapper comme ça. Doc, dis-nous à quoi te servent toutes ces briques cosmiques. Je ne parle pas de vulgaires insectes. Alors qu'en est-il d'un dieu? Fatalis et son ego surdimensionné, hein. Donc on a croisé des agents de la IEM, MODOK. Et c'est tout ce qu'il y avait de nouveau. Là, on a tout l'argent du monde. Voilà. Bon ben les amis, c'est ainsi que se conclut cet épisode de Lego Marvel Super Heroes. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu des familles. Restez à l'affût car la suite arrive prochainement. Allez, sur ce, bye tout le monde.